Mesdames et messieurs, nous sommes ici pour juger le gouvernement de Maurice Duplessis. Permettez-moi de vous rappeler les années au pouvoir de cet homme qui s'était proclamé un réformateur, un redresseur de tort, qui nous avait promis un nouveau type de gouvernement, plus humain, disait-il, plus proche des besoins du peuple, et surtout plus libre de toute influence occulte. Cet homme a-t-il rempli ses promesses? Jamais, depuis les débuts de notre histoire, la province de Québec n'était tombée aussi bas que sous le gouvernement de Maurice Duplessis. Avec lui, nous avons connu les horreurs d'une dictature comme celle de Moscou et de Berlin. L'Union nationale n'était pas au pouvoir depuis une semaine que déjà le docteur Philippe Hamel était éliminé. Le docteur Hamel vous attend dans votre bureau. Et à qui? 9h30. Vous nous faites du café? Où est-ce que vous étiez hier soir? C'est bon. Comment ça, vous ne savez pas? Je sais pas, je me souviens pas. Fais-tu longtemps qu'il attend? Une demi-heure. Bonjour, docteur. Bonjour. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Oh, je vous en prie. Docteur, je veux que vous soyez président de l'Assemblée législative. Vous n'êtes pas sérieux. Je suis très sérieux. Monsieur Duplessis, j'étais votre principal lieutenant pendant toute la campagne électorale. J'ai le droit d'avoir un ministère et je veux pouvoir commencer à réaliser les réformes pour lesquelles je me suis toujours battu, à commencer par la nationalisation d'électricité. Ah, vous n'êtes pas tout seul, tous les députés sont comme vous. Commencez par la présidence de la Chambre, puis éventuellement on verra. Mais monsieur Duplessis, ça fait 7 ans. Je me bats contre les compagnies internationales. Maintenant qu'on est au pouvoir, vous me demandez de me promener avec une robe et un bonnet, faire observer les règlements de la Chambre? C'est une tâche très importante, docteur. Monsieur Duplessis, je vous le répète pour la 100e fois. La nationalisation de l'électricité, c'est la clé de la libération de la province du Québec, notre seule ressource naturelle renouvelable. Commencez pas à matin, j'ai mal à la tête, Bruno. Je vous offre la présidence de la Chambre. Prenez-la, ça vous intéresse pas, dites-les, c'est fini, là. Monsieur Duplessis, la nationalisation de l'électricité, c'est là-dessus qu'on a été élu. J'ai pas dit que ça se ferait pas. Mais les libéraux nous laissent avec une caisse complètement vide. Il faut savoir si on a les moyens de nationaliser, puis deuxièmement, par quelle compagnie qu'on commence. La Bois-en-Noël, puis la Montreal Light. Mais justement, ces deux compagnies-là vendent de l'électricité aux États-Unis, puis en Ontario. Va falloir négocier avec ces gouvernements-là. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qui vous dit que ces compagnies-là, ils laisseront pas les installations se détériorer pour demander le gros prix à l'expropriation? Il existe des méthodes comptables relativement simples qui permettent à un gouvernement de pouvoir vérifier si justement... Entrez! Arrête, café. Vous êtes trop bonne pour moi, Mme Zinouti. Un café, docteur? Non, merci. Ça, c'est une femme affectueuse, fidèle, ça a toutes les qualités. Je vous souhaite d'avoir une femme de même, à nouveau. Surtout affectueuse, hein? Monsieur Duplessis. Ah, je vous dis qu'apprécier mes pantalons. Qu'est-ce que vous disiez? Je disais que je sais bien que la nationalisation de l'électricité ne se fera pas en un jour. Mais au moins, donnez-moi un ministère où je vais pouvoir commencer à préparer les dossiers. Ah, mais si vous me tordez un bras, je peux vous nommer ministre en portefeuille, mais pas plus. Avez-vous peur de me nommer ce que vous avez déjà choisi? Pas du tout. Ascard Drouin, Martin Fischer, Henri Lemaitre-Auger, Onésime Gagnon, Beaune Dussault, John Debourg, le docteur Albéni Poquette, quand on a recréé le ministère de la Santé, William Tremblay, François Leduc, Joseph Bilodeau et Antonio Hilly. Il y en a seulement 3 là-dedans qui ont un peu de valeur. Ascard Drouin, François Leduc, docteur Albéni Poquette, le reste, ça vaut rien. Si vous pensez pouvoir gouverner avec ça, évidemment, vous n'aurez pas de difficulté à vous faire obéir. Il y en a à peu près la moitié là-dedans qui sont presque analphabètes. Je vais mettre cette remarque-là sur le compte de la jalousie, docteur. Non, mais moi, trésorier de la province, Tony. Je ne sais pas, c'est Martin Fischer. Ça prend un anglais aux finances. C'est pas obligatoire. C'est le même depuis 1760. Vous ne pensez pas qu'il est à peu près temps que ça change, non? Les changements, ça va se faire par étapes, puis c'est moi qui décide des étapes! Vous êtes en train de donner raison à Paul Gouin. Vous avez les mains attachées.
Vous les aviez déjà attachés avant les élections. C'est ça la vérité, en dites-le donc. Passez ce que vous voudrez, c'est votre problème. Vous rendez-vous compte que vous me forcez à quitter votre parti? Que vous me forcez à retourner dans l'opposition? Le soir même, le docteur Hamel fait une assemblée au palais Montcalm et la foule en colère monte à l'assaut du château Frontenac. Duplessis se cache dans sa suite. Il n'est pas au pouvoir depuis une semaine que déjà les émeutes commencent. On n'aurait jamais pu croire qu'un homme pouvait faire tant de mal en si peu de temps. Et tout ça en s'entourant d'une auréole de religiosité. N'ayons pas peur des mots. D'une auréole de bondieuserie. Dont l'hypocrisie n'a d'égal que la servilité. C'est bien évident que dans le cas de l'Université de Montréal, nous sommes absolument opposés à ce que ça devienne une université d'État, enfin, une université laïque. Ouais, mais il n'y en est pas question. L'Église tient à assumer seule le fardeau de l'éducation, même si des fois, c'est pas toujours rentable sur le plan économique. On a juste à penser aux suppliciés. Ouais, inquiétez-vous pas de ça non plus. Vous savez, c'est tout de même une faillite de 6 millions et demi. Ça n'a pas d'importance. Mon gouvernement va renflouer sur le piscine, c'est bien du moins. Je vous dis que c'est plus facile de s'entendre avec vous qu'avec les libéraux. Auriez-vous objection à ce que je fasse prendre quelques photos? Des photos? De nous deux. L'abbé Faneuf est à côté avec son Kodak. C'est pour mes souvenirs. Comme vous voudrez. Vous pouvez dire à l'abbé Faneuf de venir. Vous savez que Taschereau est quasiment agnostique. Ah, je vous dis que c'était pas drôle d'avoir un homme comme ça, premier ministre de la province. Sa position sur le vote des femmes, par exemple, est en contradiction avec les instructions qui nous viennent de Rome. Et... Ah, abbé Faneuf, approchez. Je vous présente notre premier ministre, monsieur Duplessis. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonhomme, monsieur l'abbé Faneuf, est-ce que vous avez du film numéro 18 dans votre cadet? Non. Pourquoi? De Faneuf 18. Ah oui. La position de Rome est claire. Il faut s'opposer au vote des femmes. J'ai toujours été contre le vote des femmes. Il faut combattre tout ce qui peut éloigner la femme, même en pensée. De sa famille, de ses enfants, de son mari. Et c'est d'autant plus essentiel que je ne sais pas si vous le savez, mais nos prêtres nous rapportent qu'à Montréal surtout, le nombre de femmes qui vivent en concubinage augmente dangereusement. Et quand je dis concubinage, je veux dire tout le reste, vous pensez bien. Et d'ailleurs, je me demandais si vous pourriez pas faire quelque chose pour empêcher ça. Enfin, du point de vue légal. Je ne sais pas. Là. Celles qui ne sont pas dépendantes du gouvernement, on ne pourrait pas leur toucher. Le fédéral ne laisserait pas faire. Vous avez le droit de faire les lois que vous voulez à l'intérieur de la province. Oui, mais si on touche aux libertés individuelles, les lois peuvent être désavouées par Ottawa. D'autant plus, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Ernest Lapointe qui est ministre de la Justice d'Ottawa, puis ça lui ferait plaisir à maudit de me cogner ses doigts. Remarquez que c'est plus facile de changer des règlements que des lois. On pourrait toujours faire une réglementation qui dirait que toute aide gouvernementale, secours direct, est interdite aux femmes en concubinage, aux filles mères. Ça, on pourrait toujours faire ça. Oh, mais ça, ce serait merveilleux, ça. Ben, s'acharne contre les femmes. On voit qu'il n'est pas resté vieux garçon pour rien. Il enlève tout secours gouvernemental, non seulement aux filles mères et aux femmes en concubinage, mais en plus aux femmes dont le mari est parti chercher du travail au loin, à celles dont le mari est en prison ou dans un asile d'aliénés, à celles dont la séparation n'a pas été entérinée par un jugement de la cour, et à celles qui ne possèdent pas de carte d'identité ou dont la carte n'est pas signée par le mari. Par trois fois, les chômeuses de Montréal organisent des manifestations pour demander du pain. Oui, juste pour demander du pain.
Eh bien, la troisième fois, la cavalerie de la police municipale matraque ces femmes sans défense. Prenez le sanatorium du lac Édouard, par exemple. Eh bien, moi, si j'étais vous, je confierais ça à des communautés religieuses. J'ai justement parlé de votre projet d'hôpital aux îles de la Madeleine à la supérieure des Sœurs Grises. Elle est prête à prendre ça en main. Vous allez un peu vite, non? L'hôpital n'est pas encore construit. Pensez aux avantages économiques. Pas de salaire à payer, pas de frais d'administration. Les sœurs s'occupent de tout. Vous savez que les communautés religieuses peuvent déjà compter sur une population qui vit, pour ainsi dire, à l'intérieur des communautés. Elles ont des orphelinats, des patronages, des couvents, des collèges, des instituts. Elles ont leurs gardes-malades, leurs infirmiers, leurs hommes d'entretien, leurs fermiers. Jamais ils pourraient se former un syndicat là-dedans. Et même s'ils s'en formaient, ça négocie bien mal avec quelqu'un qui a fait le vœu de pauvreté. Entrez. Ah, je sens qu'on va se faire gâter. Oh, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Oh, des carrés aux dattes. Ils sortent du fourneau, ils sont encore chauds. Oh, vous n'êtes pas raisonnable. Vous savez bien que j'ai des problèmes de poids. Vous vous reprendrez pendant le carême. Vous êtes gâtée, vous. Pardon, ma soeur, est-ce que ça vous intéresserait pas de venir travailler au château Frontenac? Oh non, je vous remercie. Tenez, goûtez ça. Merci. C'est pour ça que si on peut pas éviter les syndicats, il faut essayer de favoriser les syndicats catholiques plutôt que les unions internationales. N'oubliez pas que tous les syndicats catholiques ont toujours un aumônier. Ils sont bons, hein? Ben bon. Ce que je vous propose, c'est un comité secret composé de prêtres et d'officiers de la police provinciale. Moi, je déléguerai l'abbé Raoul Cloutier, et vous, ça pourrait être, disons, le chef Lambert. Dans ce comité-là, tous les renseignements recueillis par nos prêtres en fonction dans la province pourraient être communiqués à la police provinciale, de la même façon que nous serions mis au courant des enquêtes de la police. Hmm? Un peu de Porto? Une goutte, merci. Ah, c'est bien beau, les prières dans nos écoles pour la victoire de Franco. Mais faisons-nous pas d'illusions. Dans la province de Québec, l'idéologie communiste est en train de gagner du terrain, rapidement. N'oubliez pas que depuis qu'Ernest Lapointe a aboli l'article 98, le communisme est légal au Canada. On peut corriger ça. J'espère que vous allez corriger ça. Vous rendez-vous compte que dans l'Est de Montréal, l'Université du prolétariat est remplie de monde tous les soirs. Tous les soirs, c'est plein d'agitateurs juifs, anglais, américains même, qui donnent ce qu'ils appellent des cours du soir à nos ouvriers. Vous ne pouvez pas laisser faire ça indéfiniment. Vous et moi, on a fait des études, on peut se défendre sur le plan intellectuel. On est vaccinés. C'est ça. Mais nos pauvres ouvriers qui savent à peine lire sont sans défense. Et quand ils vont être corrompus aux idées socialistes, ils vont s'éloigner aussi bien de l'Église que de l'Union nationale. Il est illégal pour toute personne qui possède ou occupe une maison dans la province de l'utiliser ou de permettre à une personne d'en faire usage pour propager le communisme ou le bolchevisme par quelque façon que ce soit. Article 4. Le procureur général, sur preuve satisfaisante d'une infraction à l'article 3, peut ordonner la fermeture de la maison pour toute fin quelconque pendant une période n'excédant pas un an. En somme, ça nous donne le droit de mettre le cadenas dans la porte. Le cadenas! Si vous avez des protestations, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue pour la paix et la démocratie, le Civil Liberty Union. Ah, c'est bien important. Ici, vous avez une série d'articles du Globe and Mail de Toronto sur le Parti national social chrétien de M. Arcan. Ils disent que le Québec est dominé par des fascistes cléricaux. Ensuite, un article du New York Times, « Is Québec becoming a fascist state? » Ils disent que vous êtes un fasciste. Le reste, ben, c'est toutes des protestations contre la loi. Des lettres, des télégrammes. Il doit en avoir à peu près 600. J'ai pas fini de les compter. Il y en a combien qui viennent de la province du Québec? Il y en a pas. À part les Canadiens anglais de Montréal. Le reste, c'est l'Ontario, l'Ouest, un petit peu des États-Unis. Ben, vous lancerez ça quand vous aurez le temps.
Évidence, prêche de l'Église, veuillez accepter cette bague de métis à l'occasion du congrès eucharistique de la province de Québec avec les hommages respectueux du premier ministre ainsi que de tous les ministres de la province. Voyez en ce geste le sentiment de ma fidèle affection. Je crois en Dieu et en la Sainte Église et en la religion catholique. Je reconnais dans cet anneau le symbole de l'union de l'autorité religieuse et de l'autorité civile. Après s'être assuré du secours de la religion, il tourne sa rage contre la classe ouvrière. Il fait passer les bills 19 et 20, interdisant le principe de l'atelier fermé, la base même de l'organisation syndicale. Il passe la loi du salaire raisonnable pour substituer la volonté de l'État au processus de négociation. À l'été de 1937, tous les ouvriers organisés de la province se soulèvent. Une suite de grèves et d'arrestations mène finalement à la grande grève du textile. 10 000 ouvriers sortent des usines de la Dominion Textile, de Valleyfield jusqu'à Montmorency. Jamais on n'avait vu dans la province un pareil soulèvement unanime de la classe ouvrière contre un gouvernement. Duplessis est pris à partie en plein oratoire Saint-Joseph. Il est rendu qu'il n'ose plus se montrer à Montréal, à moins d'être accompagné par sa police provinciale. Son propre parti continue à se désagréger. Oscar Drouin démissionne et vient nous rejoindre au Parti libéral. Ça m'a pris plus de temps à comprendre que mon ami le docteur Hamel. Mais finalement, il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Duplessis est un homme qui est au service de la haute finance. La raison, par exemple, pour laquelle il ne peut pas nationaliser l'électricité, c'est que ces compagnies-là sont seulement la pointe d'un iceberg. L'iceberg de l'impérialisme économique. Prenons, par exemple, deux compagnies d'électricité. La Montreal Light Heat and Power, puis la Shawinigan Water and Power. Qui c'est qui les contrôle? La Banque de Montréal, puis la Banque Royale. Savez-vous qui c'est qui est président de la Banque Royale? Sir Herbert Holt. Savez-vous qui c'est qui est vice-président de la Banque de Montréal, l'autre banque là, qui contrôle les compagnies d'électricité? Sir Charles Gordon. Eh bien, savez-vous ce qu'ils ont en commun, ces deux hommes-là? Ils sont respectivement président et vice-président de la plus grosse compagnie de la province, la Dominion Textile. Ben oui. Alors, voyez-vous comment, là, l'électricité, les banques puis l'industrie, c'est toute la même affaire? C'est tout le même monde qui nous écrase. Puis ils sont pas nombreux, mais ils sont puissants puis ils se tiennent. C'est pour ça que Duplessis veut pas lui toucher. Ou bien parce qu'il a peur, ou bien parce qu'il est acheté. Même si en parole il s'élève contre les grandes compagnies, dans les faits, il les encourage. Non seulement il ne nationalise pas l'électricité, mais en plus, il leur donne des nouvelles concessions. Il cède aussi le tiers de la Côte-Nord au colonel Robert McCormick pour faire du papier pour imprimer le Chicago Tribune puis le New York News. Il réussit à garder ses députés autour de lui à force d'argent puis de patronage. Malgré ça, les plus honnêtes continuent de s'en aller. Après Oscar Drouin, c'est au tour de Grégoire Bélanger puis de Rouville-Baudry. Finalement, c'est François Leduc. Seulement 2 semaines avant, Duplessis avait déclaré que François Leduc était le meilleur ministre de la voirie depuis la Confédération. Leduc, tu vas me donner ta démission. Tu fais pas l'affaire, je t'ai assez vu, j'ai un dossier, ça dépend contre toi. Je reviendrai quand vous serez agent. Une minute, je suis pas sous, fais pas ta tête grosse. Je vais avoir ta démission, comprends-tu? Qui c'est que vous avez mis ça dans la tête? Personne, je suis capable de prendre mes décisions dessus. Vous avez rien à me reprocher. Je n'ai pas travaillé comme un politicien, j'ai travaillé comme un ingénieur. J'ai développé mon ministère à partir de zéro. N'oubliez pas qu'en 36, on est encore sous le régime de la gratte nationale. Ben justement, la gratte nationale de Tachereau, ça avait un côté intéressant. Chaque habitant avait son 500 pieds, lui, de terrain, de chemin à s'occuper, puis le gouvernement, il donnait une petite somme pour le compenser, puis c'était utile, ça, en campagne électorale. Avec ton projet de grader, d'autostrade, puis de machinerie lourde, tu nous fais part des votes.
C'est possible, mais ce que je sais, c'est que notre réseau routier est en retard de 50 ans sur le reste de l'Amérique. Moi, j'aime bien voir les petites routes qui passent des campagnes, des petits villages, c'est un petit côté charmant. Anyway, ça me tente pas de discuter avec toi, je vais avoir ta démission écrite sur mon bureau demain matin, t'as compris? S'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous a mis ça dans la tête de me forcer à démissionner, ça doit être quelqu'un qui est organisé avec les entrepreneurs en voirie qui veulent plus de soumission publique. Je lui ai dit, j'ai pas besoin de personne pour prendre mes décisions, j'ai pris de sel. Je vous crois pas. Vous êtes peut-être ivrogne, mais vous êtes pas fou. J'ai déjà attendu pour traiter d'ivrogne, c'était que radio. Je l'ai toujours dit, c'est une tête enflée. Sais-tu que c'est qu'il a essayé de me faire craindre? Quoi? Je vais dire, celui qui veut me faire démissionner doit recevoir de l'argent des entrepreneurs à Wairi. C'est que... Ben, remarque, il t'a pas nommé, il a pas dit pour le sauver, mettre l'argent dans sa poche, je savais même pas que t'étais là. C'est un irresponsable. Parce que tu mettrais pas de l'argent dans ta poche, sans m'en parler, hein, Paul? Voyons, Maurice, tu me connais depuis assez longtemps. Tu remplis? Non, merci. Ah, ouais, non, merci. Ouais, juste toi et deux, y a pas de mal à ça. Un petit dernier, d'abord. Ça te fait du bien. Où est d'abord bas? Mon verre est pas encore vide. Aussi vite que toi, moi. L'Allemagne et l'Italie sont assez forts pour assurer la paix. Et rien ne pourra retenir ces deux pays. Il est fou, ce maudit-là. Les Allemands sont tous de même, c'est tous des maniaques. Entrez! Ah, ben, Maurice! Maurice, vous êtes fait rencontrer M. Gérald Martineau. Enchanté. M. Paul Sauvé, M. Gérald Martineau. Êtes-vous le même Martineau qui est un expert en bourse? Ah, il te le dira pas, mais il est millionnaire. Il s'est mis riche avec les actions des magasins Zellers. C'est rare en maudit, millionnaire canadien français, monsieur. Aussi, vous écoutez le discours d'Hitler? Si vous pensez de tout ça? Je pense qu'on va être en guerre avant longtemps. Puis que la bataille de la conscription va recommencer. Comment dis-tu ça, tu penses? Puis, ça ne surprendrait pas qu'on ait une guerre mondiale. Tu vois ce qui se passe en Chine, là? Ils sont tout le monde déployés dans l'engrenage, puis ils ne peuvent pas s'en sortir. Ça va être bien dur, ça va être bien long. C'est pour ça que je pense qu'on va pogner tout le monde des culottes baissées en déclarant des élections juste au moment de la déclaration de la guerre. Parfait, ça, c'est une bonne idée. Les libéraux penseront jamais à ça. Qu'est-ce qu'on va faire, toi, Jody? Moi, je connais pas tellement ça. Moi, il me semble que j'attendrai. Il me semble qu'on manque un petit peu d'organisation. Voyons donc. On a gagné en 36 avec cette organisation-là. On va revenir encore plus fort. Je connais rien là-dedans. Nous ne voulons pas la guerre. Vérité, M. Lapointe, je suis un peu mal à l'aise. Duplessis déclenche les élections, puis vous me faites venir ici, à Ottawa, le lendemain. Il m'a déjà accusé d'être l'homme de Pâques de Taschereau. Là, je risque de passer pour l'homme de Pâques d'Ottawa. Ça n'a plus d'importance, ça, maintenant. Le pays est en guerre. L'élection à Québec va être une élection nationale. C'est pour ça que c'est essentiel que tu viennes rencontrer tout le monde ici, à Ottawa. J'en ai parlé à M. King, il est parfaitement d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire, une élection nationale? Duplessis va essayer de faire sa campagne contre Ottawa,
contre la participation à la guerre. C'est là qu'il ne faut pas le laisser prendre les devants. Tout le monde dans la province est contre la conscription. Ça, M. Lapointe, j'aime autant vous le dire tout de suite. Mais je le sais, ça. C'est pour ça qu'on va commencer par dire qu'un vote pour Duplessis, c'est un vote pour la conscription. Je vous suis pas là. C'est Duplessis qui dit qu'il est contre la conscription. Hmm? Mais ça fait rien, ça. Ce qui compte dans une campagne électorale, c'est l'offensive. Tu commences par attaquer, puis t'amènes ton adversaire sur ton terrain. On va y lancer la conscription en pleine face, puis on va le regarder se dépêtrer avec tout ça. Encore jeune, Duplessis. Ben, des petits trucs qu'il connaît pas encore. Mais à part de faire des discours, là, je vois pas comment vous pourriez nuire tellement à l'Union nationale. L'Union nationale, c'est un parti politique. Mmh. Les partis politiques ont besoin d'argent. Le budget de l'Union nationale vient des compagnies qui font affaire dans le Québec. Quasiment toutes ces compagnies-là ont des contrats de guerre avec le fédéral. Mmh. On va les contacter une par une. On va leur dire qu'une scène, une seule scène donnée à l'Union nationale, ça veut dire plus un seul contrat de guerre avec Ottawa. La caisse de l'Union nationale va ressembler à Rivière-Chaudière au mois d'août. Ah, j'ai dit ça, M. King, ça m'a bien fait rire. Ouais, vous y allez fort. Puis, pour ce qui est notre budget, nous autres, on vient de recevoir 25 000 pièces de James Gardiner de la Saskatchewan. Puis ça, c'est rien qu'un début. Il va y en avoir d'autres. Puis je veux que tu rencontres les gars de Toronto. CDR les a réunis pour toi. À toute fin pratique, on va disposer d'un budget illimité. Vous me coupez le souffle, vous. Ah, c'est Ottawa, ici. C'est la Ligue nationale. Duplessis va se rendre compte que ça fait plus dur qu'à Sainte-Rose du Dégelé. Duplessis vous affirme qu'il veut un mandat clair pour négocier avec Ottawa. Mais il a été élu il y a à peine 3 ans. Et il est déjà le maître absolu de la législature. Il a 70 députés. Qu'est-ce qu'il veut de plus? Non, mesdames et messieurs. La vraie cause de l'élection, c'est que l'Union nationale est en déroute et que la province est au bord de la faillite. Depuis qu'il est au pouvoir, Duplessis nous a endettés au rythme de 41 millions de dollars par année. Au moment où je vous parle, des millions de mandats sont entre les mains des entrepreneurs et des contracteurs et ne peuvent pas être honorés. Le gouvernement est rendu au bout de la corde! C'est pas parce que le crédit de la province est devenu mauvais. Au contraire, le crédit de la province est excellent. Mais maintenant, on ne peut plus s'en servir à cause de cette loi sur les mesures de guerre. Cette loi-là nous empêche de l'emprunter ailleurs qu'à Ottawa. Alors, comme nous sommes de bons citoyens, il y a environ 5 semaines, j'ai délégué à Ottawa mon collègue, l'honorable Johnny Book, pour emprunter 40 millions de la Banque du Canada. Ils nous ont refusé sous prétexte que tout l'argent doit aller dans l'effort de guerre. Vous rendez-vous compte? Ils passent une loi pour nous empêcher d'aller emprunter ailleurs, puis quand on va chez eux, ils refusent de nous prêter une scène. Ben ça, mes amis, c'est la pire atteinte à l'autonomie de la province depuis la Confédération, puis on se laissera pas faire! Un homme qui fait faillite, il la perd, son autonomie. Moi, l'autonomie à laquelle je crois, c'est l'autonomie financière. Une autonomie rentable. On ne peut pas demander à Ottawa de financer un régime en faillite. Mais puisque c'est Ottawa qui est attaqué, je pense qu'il est juste que ce soit Ottawa qui se défende. Et je crois bien que le gouvernement fédéral ne peut pas avoir de meilleur avocat que celui que vous êtes venu entendre ici ce soir. Le meilleur politicien canadien-français depuis Sir Wilfrid Laurier, le défenseur de nos droits, le ministre fédéral de la Justice, l'honorable Ernest Lapointe. Mes amis, vous savez que nous, les gens d'Ottawa, du fédéral, on n'a pas l'habitude de se mêler de politique provinciale. Mais à cause des accusations portées par M. Duplessis, je viens défendre mon pays, le Canada. C'est bien beau de dire que le fédéral monopolise tout l'argent du pays pour l'effort de guerre. Mais posez-vous la question, mes amis. Cet argent-là,
et profite à qui? À tous vous autres. Est-ce qu'on est assez riche comme peuple pour refuser tous ces millions qui nous sont offerts par Ottawa uniquement parce qu'on se méfie d'Ottawa? Il faut cesser de vivre à l'intérieur de nos petites frontières. Quelle que soit la couleur du gouvernement, bleu, rouge ou gold, les Canadiens français seront toujours en minorité à Ottawa. La majorité, on l'a ici, la province de Québec, et Godbout, c'est l'homme de paille d'Ottawa. C'est pas nous qui avons fait voter la loi du Canada. C'est pas nous qui sommes explicitement encouragés par la radio à ondes courtes de l'Allemagne nazie. Le parti de Duplessis, c'est pas l'Union nationale, c'est l'Union nazionale. Vous savez, je pense que c'est pas une coïncidence si Duplessis est né le même jour de la même année qu'Adolf Hitler. Regardez la saisie des journaux. Le journal Le Canada a publié une caricature, une seule caricature de Duplessis, et la police provinciale a saisi 10 000 exemplaires du journal en vertu de la loi du cadenas. C'est pour ça qu'Ottawa est obligé d'intervenir pour vous protéger contre la dictature de Duplessis. La loi du cadenas a été votée à l'unanimité au Parlement de Québec sans une seule voix de dissension au sein de l'opposition. C'est une loi, d'ailleurs, qui nous avait été recommandée par nos seigneurs les évêques et qui avait reçu l'approbation de tous les corps intermédiaires de la province, y compris celui de la Société Saint-Jean-Baptiste. Mais c'est pas de la dictature, ça, mes amis! C'est de la démocratie. Un gouvernement en accord avec les aspirations de son peuple, c'est ça qu'Ottawa ne peut pas durer! Qu'on se gouverne nous autres-mêmes à l'intérieur de notre territoire selon nos coutumes et nos lois! Il y en a qui voudraient qu'on vive à genoux, qu'on se mette à genoux devant le Parti libéral, à genoux devant Ottawa, à genoux devant les impérialistes, à genoux devant Bassett, McConnell. Bien, moi, je vous dis, c'est que l'Union nationale a juste un maître. Puis ce maître-là, il n'est pas à la rue Saint-Jean, il n'est pas à Ottawa, puis il n'est pas à Londres. Il est ici ce soir et c'est le peuple de la province du Québec. Ça veut dire que nous autres, on pense que les guerres en Europe, ça regarde les Européens. On ne doit rien à personne, puis on n'a rien à voir là-dedans. S'ils sont assez fous pour s'entretuer, bien qu'ils s'entretuent puis qu'ils comptent pas sur nous autres pour les séparer. Je veux que notre position soit absolument claire. Nous sommes pour une politique de participation à la guerre. D'ailleurs, au moment où je vous parle, le Canada est en guerre avec l'Allemagne. Participation, donc, mais volontaire. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui voudront s'enrôler pour aller combattre en Europe sont les bienvenus. Mais jamais, vous m'entendez, jamais, aucun Canadien français ne sera forcé de s'enrôler. Il n'y aura pas de conscription. Le Parti libéral du Canada vous en donne la garantie. Laissez-vous pas tromper. Il y a 2 ans, la pointe était contre toute forme de participation à toute guerre. Aujourd'hui, il est pour la participation volontaire. Mais demain, il va être le premier à imposer la conscription. Alors qu'il est. L'imprimeur du roi imprime des petites cartes d'enrôlement du service militaire obligatoire. Vous vous souvenez des petites cartes de 1917? Bien, si vous vous en souvenez pas, le Parti libéral va se charger de vous rafraîchir la mémoire! Je jure solennellement de quitter et de m'opposer au Parti libéral du Canada si jamais celui-ci impose la conscription. Vous m'avez entendu? Vous avez notre parole! Est-ce que je peux être plus clair? Et je fais ce serment-là également au nom de tous mes collègues canadiens-français du cabinet. Il n'y a rien que nous autres, les ministres libéraux à Ottawa,
qui peuvent empêcher qu'on vous enrôle de force. Par contre, si vous réélisez le dictateur de Trois-Rivières, on aura compris. On n'est pas du genre à vouloir s'imposer. Du genre à vouloir manger de force à une table où on n'est pas invité. On aura compris que vous préférez le fascisme à la démocratie et nous remettrons immédiatement notre démission au Premier ministre, l'honorable Mackenzie King. Et ça voudra dire la conscription. Je fais le serment. En tant que Premier ministre de la province, je prendrai toutes les mesures constitutionnelles pour empêcher que les enfants de la province de Québec aillent mourir sur les champs de bataille en Europe. Si le Parlement canadien vote la conscription, Duplessis pourra absolument rien faire pour vous autres. Il n'y a rien qu'une province peut faire contre le fédéral. À moins de vouloir déclencher une guerre civile. C'est ça que vous voulez, la guerre civile? Souvenez-vous de 1837! Si nos pères étaient capables de se soulever contre la tyrannie, nous autres aussi, on est capables! C'est le Canada, ou bien c'est la province de Québec? C'est Duplessis, ou bien c'est moi? Ça peut pas être les deux à la fois! Faites votre choix! Abonne la conscription! Abonne la paix! Abonne Ottawa! Et abonne la simulation! Mais tu étais trop loin, il me semble que j'étais de bon. Sherbrooke, un pôle sur 65. Bourque, Union nationale. L'honorable John Bourque, 55. Maurice Ging, libéral, 37. Dans Saint-Jacques, un pôle sur 84. Auger, Union nationale, 27. Dubé, communiste, 35. Toupin, libéral, 35. Dans Trois-Rivières, l'honorable monsieur Duplessis, Union nationale, 137. Pitt, libéral, 61. On est bon. Dans Saint-Louis, maintenant, 5 pôles sur 108. Fitch, Union nationale, 78. Maurice Hart, libéral, 227. Ça, c'est pas vrai. Dans Sherbrooke, 4 pôles sur 65. La lutte est très serrée. John Bourque, Union nationale, 268. Maurice Ging, libéral, 272. Et maudit. Dans ben, voilà, c'est chaud. Camillien, c'est pas supposé, je ne même pas dans Sherbrooke. Mathieu, ouvrier, 4. Rochefort, Union nationale, 43. Trépanier, libéral, 58. Dans Notre-Dame-de-Grâce, Almond, Union nationale, 19. Mathewson, libéral, 289. Dans Westmount-Saint-Georges, 5 pôles sur 73, Hyde, libéral, 321. Petrie, Union nationale, 25. Boudjan, et maintenant, un instant, les communiqués m'arrivent de toutes parts. Ah oui, dans Outremont, 7 pôles sur 82, Henri Gou, libéral, 491. Oscar Gagnon, Union nationale, 133. Dans Jacques Cartier, Carignan, Union nationale, 254. Kirkland, libéral, 503. Dans Deux Montagnes, Jean Rochon, libéral, 196, Paul Sauvé, 228. Dans Papineau, 11 pôles sur 70, Lafière, libéral, 557, Roméo Lorrain, Union nationale, 641. Lui aussi. Alors, monte là, monte. Gagnon, libéral, 262. Patrice Tardif, Union nationale, 286. Voici maintenant une annonce de la presse canadienne. À 7 heures exactement, soit une heure à peine après la fermeture des pôles, l'honorable Maurice Duplessis est réélu dans son comté de Trois-Rivières. Bravo, 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 Maurice. Félicitations, mon frère. D'autres résultats partiels. Dans Lévis, 23 pôles sur 53. Franqueur libéral, 1850. La Rochelle, Union nationale, 1107. Dans Saint-Sauveur, 24 pôles sur 51. Hamel, libéral, 2322. Pouliot, Union nationale, 1470. Dans Laval maintenant, 53 pôles sur 111. François Leduc, libéral, 3460.
Barrière, Union nationale, 2205. Le duc mène donc par 1200 voix. On sait qu'il faisait autrefois partie de l'Union nationale et qu'il a quitté ce parti à la suite de dissensions avec M. Duplessis. Il semble que ses électeurs lui donnent raison puisqu'ils sont en train de le réélire. Bon, voici maintenant la position des partis à 7h15. Élus, Union nationale 1, libéraux 1. En avance, Union nationale 7, libéraux 30. Dans Gatineau, on est battu. Oui, on doit mourir, c'est mais tout de bonheur. OG, Union nationale, 577. Nadon, libéral, 849. Dans Yamaska, l'honorable Antonio Eli, Union nationale, 388. Morissette, libéral, 39. Ça, c'est pour 13 pôles sur 39. Dans Sherbrooke, maintenant, la lutte est toujours extrêmement chaude, avec 25 pôles maintenant sur 35. Laissez-moi d'autres chaînes. Allez, écoutez la radio, abonnez de radio, s'il vous plaît. Écoutez, libéral 1526. Dans Québec-Est, maintenant, les premiers résultats qui arrivent. On sait que c'est un comté clé. C'est le comté de l'honorable Oscar Drouin, qui, lui aussi, a quitté l'Union nationale après avoir été un des fondateurs de l'Action libérale nationale. Il s'est maintenant joint au Parti libéral pour s'opposer à son ancien chef, M. Duplessis. Il semble donc que ses électeurs l'approuvent, lui aussi, puisqu'il a déjà une avance de 700 voix, avec 41 pôles sur 71 de compilés. Chris! Blasphémez pas! Chris de calvaire! Blasphémez pas! Layton indépendant, 994, Petri, Union nationale, 256. À 7h20, ce soir, voici la position des partis selon la presse canadienne. Élu, Union nationale, 2. Libéraux, 1. En avance, Union nationale 10, libéraux 40. Où du 13 de Canadiens français, reste des pas! Vous avez pas été bien sérieux depuis les derniers 3 ans. Vous allez voir pas avec ça. Mais Kendiké, il parle au fantôme de sa mère les soirs de pleine lune. Il s'est fait construire des ruines dans sa cour. Et puis ça l'empêche pas d'être premier ministre du Canada, même s'il est fou attaché. Oui, c'est pas le djinn non plus. Puis, Churchill boit 40 ans de scotch tous les jours. Rendu à 5 heures le soir, il est sous mort. Vous êtes couché tard bien souvent. Ces choses-là finissent par se savoir. Roosevelt, il couche avec sa secrétaire quand il est pas avec des actrices de Hollywood pis de New York. Faites pas de médisance, là. C'est pas de la médisance, sa femme le sait. Elle est première à savoir, bout de niaiseux. Dans La Violette, Guy Bord, libéral élu. Dans Montréal-Saint-Jacques, Toupin, libéral, élu. C'est encore un gain sur l'Union nationale. Il bat l'ancien ministre de la colonisation, M. Auger. Dans Québec-Est, maintenant, c'est officiel. M. Oscar Drouin est de retour à l'Assemblée sous l'étiquette libérale. Il semble que ce soit la déroute complète pour les troupes de M. Duplessis. Trace de départ. Ils voulaient voter pour Ottawa, ils vont avoir la guerre. Là, ça va brouiller! Des bonnes femmes vont dire ils sont venus chercher mon garçon! Les MP sont venus chercher mon plus vieux! Quand est-ce que je vais encore voir mon mari? Mais tant pis pour eux autres! Les syndicats n'ont pas dû vous aider beaucoup. Ben, fallait pas avec ça! Les syndicats, c'est même pas un compte des travailleurs! On peut se poser cette maudite trace-là, ils sont du bon du fédéral! Ben, McKinsey a commencé sa carrière comme briseur de grève des mines du Colorado, des mines de John D. Rockefeller! Ils sont brillants, les bouts de syndicats! La presse canadienne annonce également la victoire de François Leduc dans Laval. Par contre, dans Yamaska, la victoire de l'honorable Antonio Eli paraît assurée. Oh, il semble maintenant que nous soyons prêts à nous transporter par la magie des ondes au domicile de M. Adélard Godbout, le nouveau premier ministre de la province de Québec. Êtes-vous prêts, Québec? C'est la fête ici à Québec, chez M. Godbout, où se retrouve tout l'état-major libéral, aussi bien fédéral que provincial. Alors j'aperçois l'honorable Ernest Lapointe, l'honorable Chubby Power, M. J.A. Lesage, et voici même M. Alexandre Taschereau, l'ancien premier ministre. M. Taschereau? Oui. M. Taschereau, quels sont vos commentaires? Eh bien, la belle victoire de ce soir prouve que je ne m'étais pas trompé en choisissant M. Godbout, et je suis convaincu que la province va le garder longtemps, aussi longtemps qu'elle m'a gardé moi. Prévoyez-vous la disparition de l'Union nationale à plus ou moins brève échéance? Je pense bien que oui. Je pense que le cauchemar est terminé.
Je crois que le règne de Duplessis n'aura été finalement qu'un intermède assez pénible et dégradant de notre histoire. Espérons qu'on va oublier au plus tôt les discours grotesques, les scènes de beuverie, les empoignades grossières qui auront été la marque du commerce, du régime. La province mérite mieux que cela. Merci beaucoup, Monsieur Taschereau. Je vous en prie. Alors, je vais maintenant poser quelques questions à M. Oscar Drouin. M. Drouin? Bonsoir. Bonsoir, M. Drouin. M. Drouin, quel effet est-ce que ça vous fait d'avoir été gagnant en 36 et d'être de nouveau gagnant ce soir, mais pour deux parties différentes? Eh bien, ça prouve que je sais me placer les pieds, monsieur. Non, sérieusement, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on était tout un groupe à avoir fait confiance à Duplessis en 36, puis cet homme-là nous a complètement trahis. Si vous faites le bilan en soir de son administration, tout ce qui reste, c'est le Crédit Agricole. C'est tout. C'est pas beaucoup en 3 ans, ça. Surtout si vous regardez tout ce qu'il a fait de mal. Nous autres, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on l'abandonne. M. Godbout, par contre, est un homme très honnête et très sincère. Radio-Canada fait demander si vous consentiez bien de même interview. Et puis, j'ai pas d'espoir qu'on va réussir à faire quelque chose de bien pour moi. Merci beaucoup. Jamais! Ils ont boycotté pendant toute la campagne qui mange la barre! Pour la déclaration officielle du nouveau premier ministre de la province de Québec. Je voudrais d'abord remercier tous nos candidats, nos organisateurs, nos orateurs, ainsi que tous nos travailleurs d'élection. Je me demande si je ne devrais pas aussi remercier M. Duplessis d'avoir porté la campagne électorale dans le champ fédéral, ce qui nous a donné l'occasion d'inviter dans la lutte tous les champions canadiens-français de la politique fédérale. Et ce qui a permis à l'électorat de la province de leur donner, en même temps qu'à nous-mêmes, un magnifique témoignage de confiance. Le résultat de cette élection signifie que le temps des querelles stériles entre Ottawa et Québec est passé et que nous sommes tous, maintenant et pour toujours, des Canadiens d'un océan à l'autre. Monsieur Lapointe, avez-vous quelque chose à ajouter? Peu de choses, si ce n'est que je suis très fier ce soir de la province de Québec. Je félicite l'honorable M. Godbout. Je félicite la province. Je félicite le Canada tout entier. Parce que je pense que c'est la preuve de l'unité canadienne. Et que cette soirée est certainement la plus belle depuis la Confédération. Ils sont quasiment 1000 personnes en avant. Il y a juste la l'union musicale, tout en costume. Faudrait que tu leur dises un mot. J'ai rien dit. Maurice. Ah, ça va. Voyez-les. Mais voyons, voyons, Ninette, pleure, pauvre petite soeur. Que si tu veux, c'est comme sur la politique. Vous savez que de tous mes titres, celui que j'ai toujours préféré, c'est celui de député de Trois-Rivières. Trois-Rivières, merci. Trois-Rivières est la ville de la reconnaissance et je m'en souviendrai. Je vous dirai jamais le témoignage que vous m'apportez ici ce soir. Merci, mes amis.